le Congrès, le FNKS avait demandé le 7 janvier une seconde lecture sur les dispositions qui avaient fait l'objet d'amendements de notre part. Cette seconde lecture était motivée par le fait que le texte proposé à l'époque ne donnait pas une part suffisamment claire à la priorité des citoyens en ce qui concerne l'accès à l'emploi local. Donc, suite à cette demande, nous avons entamé une procédure de conciliation avec l'ensemble des groupes du Congrès qui ont donc abouti à deux amendements fixant de manière claire la priorité des citoyens à l'accès à l'emploi local. Donc, suite à cette démarche-là et à ce consensus de l'ensemble des groupes, le président Wamitan a donc écrit au président du Congrès la lettre dont que je vais vous relire. Monsieur le Président, dans le cadre de la seconde lecture que nous avons demandée sur la loi du pays relative à la protection, la promotion et le soutien de l'emploi local, je vous ai adressé le 7 janvier 2010 une lettre co-signée par mes collègues du groupe FLNKS sur un réexamen des dispositions sur lesquelles notre groupe avait présenté des amendements. Or, comme vous le savez, nous avons entrepris une démarche collective, tous partis politiques confondus, pour aboutir à un texte consensuel dont deux amendements seraient susceptibles d'organiser le prochain travail de notre institution. En raison de cette avancée novatrice, je vous serai reconnaissant de bien vouloir, au titre de la seconde lecture, présenter à l'examen du Congrès les deux amendements qui vous ont été communiqués. Dans l'attente, je vous prie de croire. Voilà le texte de la lettre adressée donc au président du Congrès. Et c'est donc dans ce cadre que nous allons que la Commission du travail et de la formation professionnelle a examiné les deux amendements-là le 16 juin dernier, a donné un avis unanimement favorable. Et donc aujourd'hui, nous allons procéder à l'examen et à l'adoption de ces deux amendements-là. Voilà, merci, Monsieur le Président, merci. Bien, je vous remercie. Alors, je vous propose, après ces explications, que nous prenions la page 11 du rapport de la Commission. C'est le rapport 23 du 16 juin. Et je vais demander au rapporteur, Mme Corinne Voisin, de nous faire la lecture. Donc, à partir de la page 11, s'il vous plaît. Par courrier adressé au président du Congrès en date du 7 janvier 2010, reçu au Congrès le 11 janvier 2010, est annexé au présent rapport les élus du groupe FNLKS en application de l'article 103 de la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, ont sollicité que le Congrès délibère en seconde lecture sur des amendements déposés par ce groupe suite à l'adoption de ce texte par le Congrès lors de sa séance du 30 décembre 2009. Dans un second courrier adressé au président du Congrès en date du 15 juin 2010, annexé au présent rapport, le président du groupe FNLKS indique que l'ensemble des groupes politiques du Congrès a abouti à un consensus sur cette question et sollicite donc que soient examinés ces deux amendements désormais portés par l'ensemble des groupes politiques du Congrès au titre de la seconde lecture. Dans un propos liminaire, Mme Machereau-Régnier rappelle que si c'est bien le groupe FNLKS qui est à l'origine de ces deux amendements, une démarche collective a été engagée afin d'aboutir à un consensus qui s'est traduit par la rédaction de ces deux amendements qui sont désormais portés par l'ensemble des groupes politiques du Congrès qu'elle tient à remercier pour leur démarche constructive sur cette question ainsi que les partenaires sociaux à l'origine de ce texte. Elle conclut en formant le vœu qu'à la suite de l'adoption de ces amendements, les élus engagent le travail nécessaire à l'adoption des dispositions destinées cette fois à la protection de l'emploi local dans le secteur public. La présidente de la Commission se félicite de cette unanimité et précise que la seconde lecture du projet de loi de pays relative au soutien et à la promotion de l'emploi local devrait intervenir lors de la prochaine séance du Congrès et porter sur ces deux amendements. Bien, alors je vous propose que l'on prenne les amendements. L'exposé des motifs ou juste le texte en page 13 ? Dans le texte. Donc en page 13 ? Oui. L'article 2 du projet de loi de pays relative au soutien et à la promotion de l'emploi local est modifié comme suit. À l'article LP451, qu'il est proposé d'insérer dans le Code du travail, ajouter un second alinéa ainsi rédigé. Pour l'application du présent titre, à condition de qualification et de compétences égales, l'employeur est tenu de donner la priorité aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie. Sans observation. L'amendement numéro 1 recueille un avis favorable, unanime de la Commission. Bien, donc sur cet amendement, y a-t-il des observations à faire valoir? Quelqu'un va prendre la parole? Bien, alors l'amendement suivant, s'il vous plaît. Donc, en page 13, dans la discussion générale,
Madame Délé souhaite fortement que le gouvernement dote la Commission paritaire de l'emploi local de moyens humains et financiers à la hauteur de l'ampleur de sa mission, de façon à garantir notamment aux employeurs que le système fonctionnera de manière fluide. La présidente de la Commission comprend la préoccupation exprimée par la conseillère, mais rappelle que l'objectif premier de ces amendements est bien, s'agissant des dispositions relatives à l'emploi local, de se conformer à l'esprit et à la lettre de l'accord de Nouméa. M. Naturel rappelle qu'il est envisagé d'introduire dans le titre du projet de loi de pays la notion de promotion de l'emploi local. Il y voit la volonté des élus de donner les moyens aux citoyens calédoniens de pouvoir répondre à la demande qui s'exprime sur le marché de l'emploi. En réponse à M. Gourmido, Mme Achoro-Régnier précise que l'objet de cet amendement est de conforter l'amendement numéro 1. M. Leroux souligne le risque d'alourdissement des procédures qui pèseront sur les entreprises s'agissant des procédures de recrutement. Plus personne ne souhaitant intervenir, les commissions procèdent ensuite à l'examen de l'amendement numéro 2. Texte de l'amendement. L'article 2 du projet de loi de pays relatif au soutien et à la promotion d'emploi local est modifié comme suit. L'article LP 451-2 réécrit ainsi qu'il suit. Lorsqu'après avoir diffusé son offre d'emploi dans les conditions définies au chapitre 2 du titre 3, un employeur qui n'a reçu aucune candidature répondant aux conditions de qualification et de compétences énoncées dans son offre et émanant d'un citoyen de la Nouvelle-Calédonie peut procéder au recrutement d'une personne justifiant d'une durée de résidence. A. Au moins égale à 10 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle principalement satisfaite par le recrutement local. B. Au moins égale à 5 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui connaît des difficultés de recrutement local au sens de l'article LP 451-4. Au moins égale à 3 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui connaît d'importantes difficultés de recrutement local au sens de l'article LP 451-4. D. Inférieur à 3 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui connaît d'extrêmes difficultés de recrutement local au sens de l'article LP 451-4. À défaut, il peut procéder à un recrutement sans condition de résidence. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à égalité de compétences compte tenu des qualifications et de l'expérience professionnelle requises pour occuper l'emploi. Préalablement à l'embauche, l'employeur peut consulter la commission paritaire de l'emploi local mentionnée à l'article LP 451-7 afin de faire constater la carence de candidature répondant aux spécifications de l'offre d'emploi. L'avis constatant la carence établie par la commission est adressé à l'employeur et à l'autorité administrative dans un délai fixé par délibération du Congrès. Ce délai est réduit lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à 6 mois. Passé ce délai, la carence est réputée établie. Sans observation, l'amendement numéro 2 recueille un avis favorable unanime de la commission. Bien, merci, mais poursuivez la lecture, s'il vous plaît. À l'issue de l'examen de l'amendement numéro 2, la présidente de la commission propose au commissaire, dans un souci de sécurité juridique et de cohérence avec la rédaction retenue, s'agissant du Code du travail de Nouvelle-Calédonie, de modifier comme suit l'intitulé de la loi de pays. Loi du pays relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local. Et non, loi du pays relative au soutien et à la promotion d'emploi local. Sans observation, cette proposition recueille un avis favorable unanime de la commission. Bien, alors sur cet amendement, vous avez des observations à faire valoir ? Pas d'observation. Alors nous allons prendre l'article 2, nous allons relire donc l'article 2 ainsi amendé de ces deux amendements. Mais avant, y a-t-il de nouveau des observations à faire valoir ? Parce qu'après, nous allons prendre directement les explications de vote et passer aux voix. Monsieur Leroux. Oui, Monsieur le Président, lors de l'examen de ce texte en première lecture, j'avais eu l'occasion de dire que je regrettais, parce que ça transparaissait des débats, l'esprit de suspicion qui régnait à l'encontre des chefs d'entreprise et de la manière dont ils allaient ou n'allaient pas appliquer le texte. Alors je voudrais rappeler ici, comme je l'ai fait en commission, que ce sont les entreprises qui créent les richesses, que pour pouvoir redistribuer ces richesses, il faut qu'elles aient été créées. Et donc une politique sociale doit suivre une politique de développement économique et non le contraire. Et donc, sans remettre en cause du tout mon vote favorable sur ce texte sur l'emploi local, je voudrais souligner que le gouvernement
Et les élus que nous sommes doivent prendre soin de ne pas alourdir inutilement et en permanence les contraintes qui s'imposent aux entreprises, parce qu'ensuite, il ne faut pas s'étonner de constater que le développement économique ou que la reprise économique n'est pas au rendez-vous. Je vous remercie. Bien, d'autres intervenants ? Bien, alors je vais demander au secrétaire général de nous donner lecture de l'article 2 ainsi amendé, qu'ensuite je vais mettre aux voix. Il est inutile de relire tous les articles de la loi que nous avons déjà votés. Très bien. Alors je reprends dans l'article 2 que les deux articles amendés, l'article LP 451 qui est dans le chapitre 1er, qui concerne les règles de soutien et de promotion à l'emploi local, dans le but de protéger, de soutenir et de promouvoir l'emploi local, est instauré au bénéfice des citoyens de la Nouvelle-Calédonie au sens de l'article 4 de la loi organique modifiée numéro 99-209 du 19 mars 1999 et des personnes qui justifient d'une durée suffisante de résidence une priorité d'emploi dans les conditions prévues à l'article 24 de la dite loi. Et l'amendement, pour l'application du présent titre, à condition de qualification et de compétences égales, l'employeur est tenu de donner la priorité aux citoyens de la Nouvelle-Calédonie. C'est le nouvel article amendé. C'était donc l'article LP451, le premier amendement. Et le second amendement porte donc sur la section 2, les conditions de recrutement, et l'article LP451-2. Lorsqu'après avoir diffusé son offre d'emploi dans les conditions définies au chapitre 2 du titre 3, un employeur qui n'a reçu aucune candidature répondant aux conditions de qualification et de compétences énoncées dans son offre et émanant d'un citoyen de la Nouvelle-Calédonie peut procéder au recrutement d'une personne justifiant d'une durée de résidence au moins égale à 10 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle principalement satisfaite par le recrutement local, au moins égale à 5 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui connaît des difficultés de recrutement local au sens de l'article LP451-4, au moins égale à 3 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui connaît d'importantes difficultés de recrutement local au sens de l'article LP451-4, inférieur à 3 ans si l'offre d'emploi concerne une activité professionnelle qui connaît d'extrêmes difficultés de recrutement local au sens de l'article LP451-4. À défaut, il peut procéder à un recrutement sans condition de résidence. Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'à égalité de compétences, compte tenu des qualifications et de l'expérience professionnelle requises pour occuper l'emploi. Préalablement à l'embauche, l'employeur peut consulter la commission paritaire de l'emploi local, mentionnée à l'article LP451-7, aux fins de faire constater la carence de candidature répondant aux spécifications de l'offre d'emploi. L'avis constatant la carence, établi par la commission, est adressé à l'employeur et à l'autorité administrative dans un délai fixé par délibération du Congrès. Ce délai est réduit lorsque le contrat est conclu pour une durée inférieure à 6 mois. Passé ce délai, la carence est réputée établie. Bien, y a-t-il des observations ? La lecture de cet article 2 ainsi amendé. Pas d'observation. Bien, nous allons passer aux explications de vote, si vous en avez, avant le vote définitif. Donc, pour les explications de vote, qui s'inscrit ? Qui veut faire une explication de vote ? Pas d'explication de vote ? Alors, Madame Machereau, Madame David, c'est naturel. Personne ne veut démarrer. Bien, alors allons-y, Madame Machereau. Merci, Monsieur le Président. Donc, le vote d'aujourd'hui relève d'une décision commune de notre Assemblée. Nous sommes en effet appelés à nous prononcer sur deux amendements issus d'un consensus de toute la classe politique calédonienne représentée ici au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Amendements qui ont été déposés conjointement par les groupes constitués du Congrès et qui ont reçu un avis unanimement favorable de la Commission du Travail et de la Formation professionnelle réunie sur ce sujet le 16 juin dernier. Au nom du groupe FLNKS, et avant que d'accorder notre vote, je voudrais simplement remercier l'ensemble des groupes du Congrès, vous remercier tous pour avoir répondu favorablement à notre sollicitation pour une démarche consensuelle en faveur du droit prioritaire à l'emploi local des citoyens de Nouvelle-Calédonie. Est-il nécessaire de se rappeler en effet le caractère fondamental de cet élément dans l'équilibre global de l'accord de Nouméa,
dont la concrétisation aujourd'hui représente une étape essentielle dans la mise en œuvre de cet accord. Ce droit, c'est la possibilité offerte aux Calédoniens de se sentir concernés par le développement de leur pays. C'est l'occasion pour eux de s'assumer et de se sentir responsables de ce qu'il doit être. Il porte en lui l'espoir des hommes et des femmes de ce pays, des exclus du travail, des étudiants, de tous ceux qui attendent simplement qu'on leur donne les moyens de vivre des bienfaits du pays et en retour d'en assumer les responsabilités. Après le privilège du regard sur la gestion institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie par le vote, l'accès prioritaire à l'emploi, ces modalités confortent le statut particulier des citoyens de Nouvelle-Calédonie, nécessaire à la cohésion sociale qui doit être à la base de la communauté de destin à laquelle doivent tendre nos efforts. Pour atteindre ces objectifs d'harmonisation et de cohésion sociale, il est nécessaire d'accompagner la mise en œuvre de la loi du pays relative à la protection, à la promotion et au soutien de l'emploi local, que nous allons adopter maintenant, de dispositions spécifiques tenant, entre autres, à une gestion prévisionnelle des emplois, à la détermination des besoins des différents secteurs d'activité professionnelle, à l'adaptation de nos dispositifs de formation. Cela passe aussi par la vigilance sur l'application du Code du travail afin d'éviter les tendances encore trop présentes de contournement des règles. Il nous reste désormais à nous attaquer à l'emploi local dans le secteur public et à la réglementation des professions libérales, conformément à l'accord de Nouméa. Le souhait que nous souhaiterions émettre ici, c'est que ces travaux se déroulent dans le même esprit consensuel que celui qui nous unit aujourd'hui. Enfin, je terminerai mon propos en remerciant encore une fois les partenaires sociaux qui ont participé au sein du dialogue social à l'élaboration de ce texte, qui ont su mettre de côté leur esprit corporatif au profit du bien commun et qui n'ont pas manqué de prendre en compte dans leurs propositions les droits des citoyens dans un souci d'harmonie et de cohérence sociale. Merci. Bien, je vous remercie. Alors, Madame David, s'il vous plaît. Monsieur le Président, nous le disions en décembre dernier, il aura donc fallu attendre 12 ans aujourd'hui pour que les termes du préambule de l'accord Nouméa sur l'emploi local trouvent une traduction juridique. 12 ans pour que la volonté politique d'offrir des garanties pour le droit à l'emploi des Calédoniens soit affirmée consensuellement et officiellement. Dans ces temps de conclusion de moments forts, historiques, le débat de ce jour ne déparera pas. Le texte, fruit du consensus des partenaires sociaux, a depuis décembre 2009 été amendé et l'ensemble des groupes politiques a abouti cette fois à un consensus collectif tendant à se rapprocher au plus près de l'esprit et de la lettre de l'accord de Nouméa. Ce faisant, ces amendements instaurant la priorité du citoyen calédonien sur la personne relevant d'une durée suffisante de résidence et l'adjonction de la notion de protection de l'emploi local en son titre, n'a fait que conforter également l'esprit et la lettre des travaux du groupe de travail sur l'emploi local. Car ces amendements se sont trouvés alors plus près encore de la volonté initiale, et je dis bien initiale, de ses premiers rédacteurs, ceux-là même qui avaient, avant la relecture du Conseil d'État, préconisé à compétence égale des emplois automatiquement réservés aux personnes relevant de l'article 24 pour les requérants des niveaux d'études jusqu'au bac, et toujours à compétence égale des emplois ouverts en première priorité aux personnes relevant de l'article 24 pour les requérants de niveau BTS jusqu'au doctorat. La compréhension de devoir prioriser pour imposer une meilleure prise en compte des potentialités locales avait été alors débattue, entendue et acceptée comme la solution par les partenaires sociaux. Elle nécessitait un encadrement, mais une souplesse adaptée aux besoins de l'évolution économique, une mise en pratique. Cependant, elle donnait déjà un postulat. Et tandis que l'on parlait hier de cet emploi local comme bois dur des revendications, aujourd'hui on parlera du bois dur de notre socle législatif, dans lequel l'emploi local participera à sa manière à la stabilité sociale de notre pays. Bien sûr que cette loi sera perfective. Bien sûr qu'il faudra plus d'exigences que jamais, de définition, d'adéquation des plans de formation à long terme, pour que cette loi ne soit pas un vœu pieux, réalisé sans aucun réalisme. La destinée d'un pays dépend parfois d'un seul jour. L'histoire justifie cette assertion, mais montre aussi qu'il faut généralement beaucoup d'années pour préparer ce jour.
Le jour de voter cette loi du pays sur l'emploi local est donc venu et notre groupe, signataire de ces derniers amendements, la votera. Nous espérons, pour assurer la quadrature du cercle, que nous voterons dans des délais meilleurs la loi du pays qui fera de la fonction publique un exemple en matière locale. Malheureusement, pour l'heure, nous n'avons pas su montrer l'exemple. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Alors, la parole est à Monsieur Naturel. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, mes chers collègues, le projet de loi du pays amendé et présenté aujourd'hui répond au consensus politique qui s'est exprimé lors du 8e comité des signataires. Ainsi, les amendements qui viennent d'être adoptés ont été proposés par tous les groupes politiques du Congrès. Le Rassemblement UMP se félicite de cette démarche consensuelle. Pour nous, il ne pouvait pas en être autrement sur une des dispositions majeures de l'accord de Nouméa. Nous avons eu à plusieurs reprises l'occasion de rappeler notre définition de l'emploi local. À compétence égale, il faut qu'une priorité à l'emploi soit accordée aux Calédoniennes et Calédoniens. Ce projet de loi du pays remplit pleinement cette ambition. Mais au-delà du consensus trouvé, il représente clairement notre vision de ce que doivent être les négociations pour préparer la sortie de l'accord de Nouméa. Mettre tout sur la table et réunir tout ce qui nous rassemble dans l'idée de construire de construction d'un pays dans une paix humaine et sociale. En effet, par ce texte, nos partenaires indépendantistes reconnaissent qu'en Nouvelle-Calédonie, d'autres populations que les citoyens ont le droit de vivre en toute sérénité et d'y travailler. Cette reconnaissance des conjoints des citoyens, mais également des Calédoniens non citoyens, est une avancée notable, certaine pour la construction d'un réel destin commun. Monsieur le Président, mes chers collègues, le Rassemblement UMP votera en faveur de ce projet de loi du pays. Bien, monsieur Naturel, merci. La parole est à monsieur Michel. Merci, monsieur le Président. Au terme de ces débats et avant de passer au vote, le groupe Calédonie Ensemble souhaite d'abord exprimer sa satisfaction de voir ce dossier enfin aboutir. Il était en effet incontournable de voter cette loi une nouvelle fois à partir du moment où une demande de seconde lecture avait été faite. Dans cette perspective, dès le jour de la demande de seconde lecture, le 7 janvier dernier, le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie avait rencontré le FLNKS, auteur de la demande de seconde lecture, et formulé une proposition d'amendement dans le sens d'une priorité donnée aux citoyens afin de parvenir à un consensus aussi large que possible sur le texte. Cet amendement est aujourd'hui repris dans la proposition qui nous est soumise. C'est le sens du premier amendement au texte, le second déclinant au niveau de l'article LP451-2 le principe édicté par le premier amendement. Sur le fond, le texte sur lequel nous venons de débattre, hormis les amendements adoptés par la commission du 15 juin 2010, est identique au texte voté le 30 décembre dernier. Les principes en restent les mêmes, qu'il s'agisse de la priorité offerte aux citoyens et ensuite aux personnes justifiant d'une durée suffisante de résidence, de l'appréciation des durées de résidence au regard de la situation de l'emploi local dans tel ou tel secteur, de la création d'une instance paritaire, la CPEL, chargée d'arbitrer les éventuels litiges. En conséquence, nous réaffirmerons donc ce que nous exprimions déjà le 30 décembre dernier. La protection de l'emploi local est, au même titre que les transferts de compétences, un élément fondamental de la réussite de l'accord de Nouméa. Ce texte ne doit pas être considéré comme un texte d'exclusion. Il ne l'est pas dans la lettre, il ne doit pas l'être dans l'esprit de sa mise en œuvre. La réussite de la mise en œuvre de ce projet de loi du pays passe obligatoirement par la prise en compte des réalités de l'entreprise. Et enfin, la réussite de ce dispositif passe enfin par l'adaptation de notre système de formation. Les états généraux de la formation professionnelle qui s'achèvent bientôt devraient nous indiquer les premières pistes dans ce sens. Comme nous l'indiquions déjà le 30 décembre dernier, la question de l'emploi local ne sera bien évidemment pas réglée par le seul vote de cette loi du pays. En effet, et d'une part, il nous reste à adopter une délibération d'application actuellement en phase de consultation. D'autre part, ce sont bien les partenaires sociaux qui feront vivre ce dispositif.
Selon les informations dont nous disposons aujourd'hui, près de 150 entreprises ont déjà été consultées dans le cadre du groupe de travail chargé d'élaborer le tableau d'activité. 300 emplois identifiés ont été discutés dans ce groupe de travail. Ces consultations ont permis de recueillir les attentes des entreprises et d'identifier les secteurs en tension, emploi par emploi, au sens de la loi du pays. Ces données permettront, nous l'espérons, aux partenaires sociaux d'aboutir rapidement à la conclusion de l'accord interprofessionnel prévu par la loi, nous l'espérons pour la fin de l'année. Je terminerai en réaffirmant qu'adopter une législation favorisant l'accès à l'emploi des personnes durablement établies dans ce pays est pour Calédonie Ensemble une évidence de bon sens. Nous pensons que le destin commun auquel nous aspirons tous et qui est souvent invoqué dans cette enceinte nécessite cet indispensable pas en avant vers plus de partage et plus de responsabilité. Pour toutes ces raisons, le groupe Calédonie Ensemble votera donc ce texte. Bien, je vous remercie. Ensuite, M. Nesline a demandé la parole. Allez-y. Merci, M. le Président. Vous savez que je vais voter ce texte. Ce n'est pas un secret pour personne. Mais je voudrais ajouter une petite note en plus de ce que viennent dire mes collègues. Si bien qu'on soit tous d'accord pour l'emploi local qui s'inscrit dans une démarche de citoyenneté. Mais je voudrais rappeler, enfin je l'ai dit parce qu'il y a des collègues qui sont là, il n'y a pas si longtemps, il y a eu le conflit à Cales, qui a opposé des locaux, à l'issue duquel un protocole de fin de conflit a été signé. Dans ce protocole, il est souhaité que soit prise en compte la dimension culturelle de la gestion des entreprises dans la résolution des conflits. Parce que je crois que les uns et les autres, les signataires, enfin, je le dis sous toute réserve, étaient d'accord pour constater que l'entreprise est le lieu privilégié de l'expérimentation du destin commun. Et également dans la formation professionnelle, je souhaite que ce que nous allons voter est un début. Il faut mettre un contenu à l'emploi local. Que nous prenons en compte la dimension culturelle de la gestion de l'entreprise, que nous prenons en compte cette dimension culturelle de la formation professionnelle également dans nos écoles. Là, merci, M. le Président. Bien, je vous remercie. Bien sûr, Egaï, allez-y. Merci, M. le Président. J'aurais pas grand-chose à dire puisqu'on a donné un avis favorable, bien sûr, déjà. Lorsqu'on nous a présenté le texte de seconde lecture qui allait être présenté dans notre assemblée. Mais je viens d'entendre notre collègue, M. Nesline, évoquer les dispositions du protocole d'accord d'Aircal, et moi je voudrais aller dans le même sens. Je crois que ce qui est important, c'est que au-delà de textes législatifs purs, il y a une dimension locale, culturelle qu'il faut prendre en compte. Je rappelle ce qu'a dit notre collègue Pierre Frogier, nous nous trouvons en Mélanésie. Et ici, il y a un peuple qui a une tradition et qui a aussi des devoirs coutumiers. Je voudrais rappeler qu'en 1982, il y a eu un travail des partenaires sociaux pour une réforme du Code du travail. Et à ce moment-là, nous avions fait la proposition que soient prises en compte les fêtes coutumières. Et l'ordonnance du travail de 82, et donc je parle sous le contrôle du directeur du travail, M. Garcia, avait instauré les congés pour fêtes coutumières. Et on avait souhaité ça à l'époque parce que c'est important ici. Vous connaissez tous, partout dans le pays, il y a des périodes comme ça où il y a des fêtes coutumières, notamment la fête de l'Igname, où c'est nécessaire que ça soit pris en compte. Alors aujourd'hui, c'est vrai qu'on parle de
du texte sur l'emploi local, hein. Bon, mais je profitais pour, suite à ce que disait le grand chef, pour indiquer cela que nous aurons l'occasion de faire des propositions prochainement, pour attirer l'attention de tous les collègues de cette assemblée, hein, parce qu'effectivement, il faut continuer dans cette volonté, dans cette dynamique de faire en sorte que, eh bien, que ce destin commun il s'inscrive encore plus davantage, quoi, hein, dans la pratique de tous les jours et notamment dans les entreprises. Donc, voilà ce que je vous ai déclaré en plus de l'examen de ce texte, mais pour revenir au texte sur l'emploi local, bien entendu, hein, le Parti travailliste votera ce texte. Bien, je vous remercie. Donc, on a fait le tour des orateurs. Bien, je vais mettre cette loi du pays au vote. Donc, ceux qui sont pour. Bien, je vous remercie. Cette loi est donc adoptée à l'unanimité. Et nous pouvons nous en réjouir. Bien, alors je vais vous proposer de prendre le point numéro 2 de l'ordre du jour. Proposition de loi du pays numéro 1 du 24 décembre 2009 portant modification du Code du travail de Nouvelle-Calédonie. Et cette proposition de loi de pays a été signée par tous les groupes politiques du Congrès. Alors, je vais donner la parole à mademoiselle Lahu-Ouvéa pour qu'elle nous donne lecture de son rapport. Merci, monsieur le Président. Monsieur le Président du Congrès, monsieur le Président du Gouvernement. Monsieur le Président du Congrès, monsieur le Président du Gouvernement, mesdames et messieurs les membres du Gouvernement, mes chers collègues. La proposition de loi de pays que nous allons examiner vise à clarifier le statut des collaborateurs politiques des institutions politiques de Nouvelle-Calédonie. Cette proposition présente plusieurs caractéristiques qui méritent d'être soulignées. Tout d'abord, c'est la seconde proposition de loi, c'est-à-dire déposée à l'initiative d'élus, que notre Assemblée examine en séance publique. En effet, depuis 2000, le Congrès a adopté 90 lois du pays, dont 88 ont été déposées sous forme de projet par l'exécutif. Autre caractéristique, cette proposition est déposée par l'ensemble des membres de notre commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur. Signée par tous les élus de cette commission, elle est la traduction d'un consensus de l'ensemble des groupes politiques. Enfin, son adoption permettra de mettre un terme, après plusieurs tentatives, aux difficultés juridiques auxquelles sont confrontées depuis plusieurs années toutes les institutions employant des collaborateurs politiques. Présentation du projet. Le droit applicable aux collaborateurs politiques n'ayant pas à l'origine la qualité de fonctionnaire est source d'incertitudes et de litiges depuis plusieurs années. Il en résulte de nombreux contentieux, notamment au moment des licenciements susceptibles d'intervenir à l'occasion des renouvellements institutionnels. L'origine du problème juridique. L'article LP111.3 du Code du travail de Nouvelle-Calédonie dispose dans sa rédaction actuelle que, sauf disposition contraire, le livre 1 consacré aux relations individuelles du travail n'est pas applicable aux personnes relevant d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, aux sapeurs-pompiers volontaires au titre de leur activité de sapeurs-pompiers volontaires, aux fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie, ainsi qu'aux personnes occupant les emplois supérieurs suivants. Secrétaire général, secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint, chef de service de la Nouvelle-Calédonie, directeur d'office, directeur d'établissement public de la Nouvelle-Calédonie. Secrétaire général adjoint, directeur, directeur adjoint et chef de service des provinces. Secrétaire général adjoint de mairie, directeur général des services techniques et directeur des services techniques des communes. Si l'on comprend bien à la lecture de cet article que les fonctionnaires relevant d'un statut de fonction publique ne relèvent pas du droit du travail,
La notion de personne relevant d'un statut de droit public a été beaucoup plus difficile à interpréter pour les juridictions. La jurisprudence a dû intervenir afin d'en préciser les contours. La notion de statut de droit public, telle qu'elle figure dans l'article LP 111.3, a toujours été interprétée de manière restrictive par les juridictions qui considèrent que le fait que les agents des services publics administratifs soient qualifiés d'agents publics dans différents statuts adoptés par le Congrès n'empêche pas l'application du droit du travail à leur situation. Face aux nombreux contentieux suscités par ces dispositions et compte tenu de l'inadaptation du droit du travail à la situation de certains agents de droit public, notre Assemblée est déjà intervenue pour clarifier le droit en soustrayant du champ du droit du travail les fonctionnaires détachés auprès de la Nouvelle-Calédonie, d'une province ou d'une commune ou d'un établissement public administratif en Nouvelle-Calédonie. Les personnels occupant les emplois supérieurs de la Nouvelle-Calédonie et ses établissements publics des provinces et des communes, les sapeurs-pompiers volontaires, les assistants hospitaliers. Le problème qui s'est posé pour ces catégories de personnel et qui nous a amenés à modifier le Code du travail se pose dans les mêmes termes pour les collaborateurs politiques. La situation particulière des collaborateurs politiques. De nombreux contentieux ont été introduits, notamment à cause des licenciements intervenus à l'occasion des renouvellements institutionnels. L'administration a toujours considéré ces personnels comme des agents publics. C'est d'ailleurs ce qui était affirmé notamment dans la délibération 100 de la commission permanente du 20 septembre 1996 pour les collaborateurs politiques à l'instar de leurs homologues métropolitains. D'un côté, les employeurs publics ont toujours estimé que ces collaborateurs ne relevaient pas du droit du travail, relevaient d'un statut de droit public et, par voie de conséquence, de la juridiction du tribunal administratif en cas de contentieux. De l'autre, les juridictions administratives et judiciaires ont tantôt considéré qu'ils relevaient du droit du travail, tantôt du droit administratif. Depuis près de 25 ans, la jurisprudence relative à ces personnels a été fluctuante. Le Congrès a souhaité doter, en 1996, puis en 1999, les collaborateurs de cabinet d'un cadre statutaire fixant les règles de leur recrutement, leur rémunération et les conditions de cessation de leurs fonctions. Compte tenu de l'incompatibilité du droit du travail et des règles de la fonction publique avec la nature particulière de ces emplois, le Congrès a voulu créer un statut d'agent de droit public pour ces personnels. C'est ainsi que deux délibérations ont été adoptées. Pour le Congrès, la délibération 100 du 20 septembre 1996 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet du Congrès. Pour le gouvernement, la délibération 17 du 3 septembre 1999 fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs des membres du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Par ailleurs, la délibération numéro 100 de la commission permanente a prévu la possibilité pour les provinces d'étendre ces dispositions à leurs collaborateurs. Les trois collectivités ont donc, à leur tour, adopté des délibérations fixant les conditions d'emploi de leur personnel politique. Il s'agit de la délibération 89-98 de l'Assemblée de la province Nord du 22 décembre 1998, fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet de la province Nord, qui a été remplacée depuis par la délibération 2009-233 de l'Assemblée de la province Nord du 19 juin 2009. La délibération 1099 de l'Assemblée de la province Sud du 16 juin 1999, rendant applicable aux collaborateurs de cabinet des membres de l'Assemblée et de l'exécutif de la province Sud, la délibération 100 du 20 septembre 1996, fixant les conditions de recrutement et d'emploi des collaborateurs de cabinet du Congrès. La délibération 98-34 du 17 juillet 1998, portant extension des dispositions de la délibération 100 de la commission permanente pour la province des îles Loyauté. Ces textes sont joints en annexe au présent rapport. Les collaborateurs politiques peuvent donc être issus du secteur public,
Dans ce cas, il s'agit de fonctionnaires provenant d'une administration détachée d'office pour exercer les fonctions de collaborateurs politiques. Ils sont soumis à un statut ad hoc, le temps du détachement, et recrutés par décision de l'exécutif de l'institution concernée. Dans cette hypothèse, ces personnels relèvent indiscutablement du droit public. Ils peuvent réintégrer de plein droit l'administration au terme de leur détachement. Ils peuvent également être issus du secteur privé. Il s'agit alors de personnels non fonctionnaires qui exercent les fonctions de collaborateurs auprès d'un élu, soumis à un statut ad hoc, recrutés également dans le cadre d'une décision de l'exécutif, mais pour lesquels le droit applicable a fait l'objet de nombreux contentieux. En effet, les délibérations 117 précitées prévoient expressément qu'elles ont pour objet d'instaurer un statut d'agent de droit public. Cependant, les juridictions considèrent que ces dispositions n'ont aucune valeur car le Congrès n'était pas compétent, ni en 96, ni en 99, pour extraire ces personnels du champ du droit du travail. L'État était en effet encore compétent pour fixer les principes directeurs du droit du travail sous l'empire de la loi référendaire du 9 novembre 1988. En d'autres termes, l'État était le seul habilité à dire quelle catégorie de personnel devait être exclue du champ du droit du travail. Ni le territoire, ni les provinces, ni la Nouvelle-Calédonie ne pouvaient le faire par de simples délibérations avant le 1er janvier 2000, date à laquelle cette dernière est ensuite devenue compétente de manière pleine et entière en matière de droit du travail en vertu de la loi organique de 1999. Sur les contentieux, le vice d'incompétence qui affectait les délibérations adoptées par le Congrès en 1996 et en 1999 a ouvert la voie à de nombreux contentieux. Le juge judiciaire, comme le juge administratif, ont reconnu que les délibérations précitées ne pouvaient déroger au droit du travail. À ce titre, le juge judiciaire a considéré que les contrats de collaborateurs politiques devaient être requalifiés en contrats à durée indéterminée. Voir par exemple la Cour d'appel de Nouméa dans un arrêt du 15 juin 2005. Après revirement, le tribunal du travail puis la Cour d'appel de Nouméa ont estimé que ce texte constituait un statut de droit public et se sont déclarés incompétents pour se prononcer sur le sort des collaborateurs du Congrès. Cour d'appel de Nouméa, arrêt du 6 septembre 2006. Le tribunal administratif a, pour sa part, toujours considéré que la délibération 100 du 20 septembre 1996 ne créait pas un statut de droit public. En conséquence, il s'est reconnu également incompétent pour se prononcer sur le sort des collaborateurs politiques. Tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie, jugement du 16 mars 2007. Les deux ordres de juridiction se renvoyant la balle, le tribunal des conflits a jugé par arrêt numéro 3654 du 17 décembre 2007 que la délib 100 de la commission permanente n'a pas pu avoir pour effet, nonobstant ces dispositions, de soumettre les collaborateurs à un statut de droit public au sens de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, que dès lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige. Les motifs de l'intervention législative proposée. Par l'arrêt du 17 décembre 2007, le tribunal des conflits a mis un terme à l'incertitude qui pesait sur le conflit de compétences entre le tribunal du travail et le tribunal administratif. Cette décision confirme deux points. L'incompétence du Congrès en 1996 et en 1999 pour instituer des statuts d'agents de droit public. Les litiges avec les collaborateurs politiques sont traités par le tribunal du travail en l'état actuel du droit. Pour autant, l'application du droit du travail ne paraît pas indiquée pour les collaborateurs politiques dont la relation avec l'élu ou le groupe d'élus auprès duquel ils sont affectés est caractérisée par une forte relation de confiance qui suppose une rupture en cas de perte de confiance
ou si l'élu vient à perdre son mandat. Par ailleurs, on le sait peu, mais de nombreuses dispositions du Code du travail ne sont pas applicables à l'État, à la Nouvelle-Calédonie, aux provinces, aux communes et aux établissements publics administratifs. C'est le cas pour les dispositions relatives au repos hebdomadaire, à la santé et la sécurité au travail, aux droits d'expression des salariés, aux droits syndicaux, aux institutions représentatives du personnel, aux salariés protégés, aux placements, à l'emploi des travailleurs handicapés, aux contrats associant emploi et formation, à la formation professionnelle continue. Ainsi, même si la jurisprudence conclut à l'application du droit privé aux collaborateurs politiques, ces personnels restent toutefois privés de protection pouvant être offerte par le Code du travail, une situation peu satisfaisante. De plus, le juge judiciaire requalifie les contrats de collaborateurs politiques en contrats à durée indéterminée, alors que ces personnels sont affectés sur des postes budgétaires non permanents, de manière temporaire, au maximum le temps du mandat des élus. Le droit du travail ne permet pas non plus de recourir pour ces personnels à des contrats à durée déterminée dont la durée cumulée ne peut excéder un an, voire de manière exceptionnelle, 3 ans. Or, certains collaborateurs politiques peuvent être employés pour une mandature complète, voire plus. 5 ans pour la Nouvelle-Calédonie et les provinces, 6 ans pour les communes. Le juge judiciaire considère que la fin de fonction d'un collaborateur politique est un licenciement qui, s'il n'est pas justifié par un motif personnel ou économique, est sans cause réelle et sérieuse. La fin du mandat n'est pas considérée comme telle. Le juge l'appréhende comme un élément objectif non imputable au salarié. Or, le licenciement de collaborateurs politiques peut devenir une figure imposée pour les institutions après des élections. Enfin, certains collaborateurs licenciés à l'occasion de renouvellements institutionnels perçoivent des indemnités de licenciement ayant le caractère de dommages-intérêts avant de bénéficier, après renouvellement institutionnel, de nouveaux contrats avec les mêmes institutions. J'ajoute que les services de la PERI de la Nouvelle-Calédonie ont pu, par le passé, manifester de la réticence à payer les indemnités résultant du droit du travail. À l'inverse, certaines règles de la fonction publique ne paraissent pas plus appropriées. Par exemple, le recours à des avis de vacances de poste obligatoires dans la fonction publique priverait les groupes politiques d'une liberté de recrutement en les conduisant à recruter en priorité des fonctionnaires. De plus, l'obligation de réserve propre à la fonction publique serait incompatible avec des fonctions politiques. Il résulte de ce qui précède des contentieux insolubles qui pèsent sur les budgets des collectivités, condamnées de bonne foi à payer des indemnités et dommages-intérêts importants. Il convient de préciser qu'en pratique, lorsqu'un collaborateur est amené à cesser ses fonctions, les collectivités appliquent, pour se prémunir, les procédures de licenciement du Code du travail, après avoir appliqué tout au long de la carrière du collaborateur les dispositions des statuts précités. En d'autres termes, les institutions recrutent et gèrent les collaborateurs politiques en vertu du droit public. Elles les licencient sur le fondement du droit du travail. La solution proposée. Un grand flou juridique entoure la gestion de nos collaborateurs politiques. Il nous faut donc faire un choix d'un statut qui se situe entre le droit du travail et celui de la fonction publique. Pour plus de sécurité juridique et pour plus de clarté, il est proposé de soustraire du champ du Code du travail les collaborateurs politiques des institutions, Congrès de la Nouvelle-Calédonie, gouvernement, province, et collectivités territoriales et communes. Rien ne nous interdit de faire par loi du pays ce que nos prédécesseurs dans cette Assemblée ne pouvaient faire par délibération,
sous l'empire des précédents statuts. De cette manière, les statuts adoptés par les institutions compétentes pourraient constituer le seul cadre de référence pour la gestion de l'ensemble de leur carrière. La volonté initiale du Congrès de la Nouvelle-Calédonie serait ainsi rétablie. À l'égard de ces personnels, le changement ne serait perceptible qu'en cas de contestation sur la cessation de leurs fonctions. Depuis plusieurs années, des tentatives ont été entreprises pour régler l'ensemble des problèmes liés au statut des collaborateurs politiques en excluant ces personnels du champ d'application du droit du travail. Ainsi, lorsque le Congrès avait adopté la loi du pays du 8 février 2006, une disposition relative aux collaborateurs politiques avait déjà été insérée dans le projet du gouvernement, examiné par le Conseil d'État, puis abandonné pour des raisons d'opportunité. S'agissant d'une modification du champ d'application du Code du travail fixé par le titre 1 du livre 1 de ce Code, une loi du pays est nécessaire en application de l'article 99.3 de la loi organique du 19 mars 1999. Il est donc proposé d'exclure du champ d'application du Code du travail les collaborateurs politiques. C'est l'objet de l'article 1er de la proposition de loi du pays. De cette manière, le droit applicable serait fixé dans le sens d'une plus grande sécurité juridique et d'une meilleure adaptation au fonctionnement institutionnel. Ces personnels relèveraient ainsi du droit public et par voie de conséquence de la juridiction administrative en cas de contentieux. Cette mesure, que le Conseil d'État a validée juridiquement, permettrait de conforter et sécuriser le socle réglementaire actuel et le droit applicable à ces personnels. J'insiste également sur le fait qu'elle ne constitue pas une modification du statut des collaborateurs politiques, mais vise à sécuriser les statuts qui ont été adoptés jusqu'à ce jour entre 1996 et 2009. Les textes sont joints ici en annexe. Non seulement elle conforte les statuts existants en confirmant qu'il faut bien les appliquer aux collaborateurs politiques, mais elle est une étape indispensable de clarification avant toute modification du statut des collaborateurs politiques. Enfin, conformément aux recommandations formulées par le Conseil d'État, cette mesure n'aurait pas d'impact sur les contrats en cours. Aucun impératif d'intérêt général n'est susceptible de justifier une rétroactivité. C'est l'objet de l'article 2 de la proposition de loi du pays. C'est un autre point important du projet. Les contrats de collaborateurs conclus avant l'entrée en vigueur de cette loi ne seront pas concernés. Ainsi, les collaborateurs politiques recrutés avant l'entrée en vigueur de la loi seront considérés comme des agents de droit privé et pourront se pourvoir devant le tribunal du travail en cas de litige. Les collaborateurs politiques recrutés après l'entrée en vigueur de la loi seront considérés comme des agents de droit public et pourront se pourvoir devant le tribunal administratif en cas de litige. Seuls les futurs recrutements de collaborateurs seront de droit public. Seront concernés les collaborateurs politiques du Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Le Congrès de la Nouvelle-Calédonie affecte des collaborateurs auprès des groupes politiques, des présidents de commission et du président du Congrès. Il les recrute sur demande des élus concernés, les rémunère et les emploie. Ces collaborateurs sont gérés par l'institution. Ils sont aux 46 postes budgétaires. Cela concerne également les collaborateurs politiques du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie. Le président du gouvernement collégial affecte auprès des membres de l'exécutif, sur leur demande, des collaborateurs de cabinet, 66 postes budgétaires. Des provinces, les présidents d'assemblées de provinces recrutent des collaborateurs pour les cabinets des membres de l'exécutif, président et vice-président, et pour les groupes politiques de l'Assemblée, environ 60 postes budgétaires au total. Des communes, les exécutifs communaux sont susceptibles de recruter des collaborateurs pour leur cabinet.
La pratique est peu répandue dans les communes de Nouvelle-Calédonie. L'effectif total sur 33 communes est d'une dizaine de postes. Les consultations menées sur ce projet, en application de l'article 41 de notre règlement intérieur, le gouvernement a été consulté sur cette proposition de loi du pays le 24 décembre 2009. Par un avis rendu le 16 mars 2010, le gouvernement s'est déclaré favorable sur le principe. Le gouvernement a en outre proposé une modification rédactionnelle qui n'a pas été retenue en commission parce qu'elle était susceptible de soulever des difficultés d'interprétation. En application de l'article R381-1 du Code du travail, la Commission consultative du travail a rendu un avis le 17 mars 2010. Dans le cadre de cette consultation, les partenaires sociaux ont déploré que, depuis l'entrée en vigueur du Code du travail, le législateur a extrait du champ du droit du travail, outre les collaborateurs politiques, plusieurs catégories de personnel. De plus, certains partenaires sociaux ont particulièrement insisté sur la nécessité de mener une réflexion plus globale sur les agents de droit public en Nouvelle-Calédonie, au-delà de la problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Conformément à l'article 155 de la loi organique, le Conseil économique et social a rendu un avis le 2 avril 2009. L'avis du CES favorable sur le principe s'est toutefois déclaré réservé sur le plan juridique. C'est ainsi que le CES a préféré s'en remettre à l'analyse du Conseil d'État. Consultés également, les provinces ont émis un avis favorable de principe, tout comme les associations de maires. Il doit toutefois être précisé que l'Association française des maires a formulé le souhait que soient étendues aux communes les dispositions statutaires actuellement applicables aux autres collectivités. Il s'agit vraisemblablement d'une demande formulée auprès du gouvernement dès 2006. Le Conseil d'État a, comme il se doit, été consulté sur cette proposition. Il en a validé le contenu dans un avis rendu le 25 mai 2010. Enfin, réunie le 16 juin 2010, notre commission du travail et de la formation professionnelle a émis un avis favorable et validé deux propositions d'amendement de votre rapporteur. Les amendements au projet de loi du pays, deux amendements purement techniques vous sont proposés pour faire suite à deux suggestions d'ordre rédactionnel formulées par le rapporteur du Conseil d'État lorsqu'a été examiné le projet. Ces amendements n'ont pas d'impact sur le fond. Merci. Bien, je vous remercie pour cet excellent rapport. Bien, alors dans la discussion générale, qui veut intervenir? Pas d'intervenant dans la discussion générale, donc je vous propose que nous prenions la proposition de loi du pays. Et nous allons donc lire les articles et les voter. Donc je vais peut-être demander à Madame Corinne Voisin de nous lire en page 10 l'article premier. Afin de tenir compte des recommandations du Conseil d'État, il convient de modifier comme suit la rédaction du premier alinéa. L'article LP 111.3 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie est complété par un alinéa ainsi rédigé. Et non, l'article LP 111.3 du Code du travail de la Nouvelle-Calédonie est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé. Cette modification fera l'objet d'un amendement du rapporteur. Bien, donc je vous propose de prendre l'amendement. Donc, allez-y pour l'amendement. Le premier amendement, comme recommandé par le Conseil d'État, et bien que cette proposition rédactionnelle ne figure pas dans l'avis rendu le 25 mai 2010, il est proposé de modifier l'article premier de la proposition de loi de pays, supprimant le mot « dernier ». À l'article premier, donc, au sein de la première phrase, supprimer le mot « dernier ». Le reste, sans changement. Voilà. Bien, alors, cet article premier est ainsi amendé. Y a-t-il des observations ? Pas d'intervention, donc je mets aux voix ceux qui sont pour. Bien, alors l'article 2, s'il vous plaît. Sur recommandation du Conseil d'État, il convient de modifier la rédaction du premier alinéa et ainsi de lire. Les personnels mentionnés à l'article 1er et non les personnels visés à l'article 1er. Cette modification fera l'objet d'un amendement du rapporteur, avis favorable.
Bien, Madame le rapporteur, allez-y, s'il vous plaît, pour l'amendement. Comme recommandé donc par le Conseil d'État, eh bien, cette proposition rédactionnelle ne figure pas dans l'avis rendu le 25 mai 2010. Il est proposé de modifier l'article 2 de la proposition de loi de pays en remplaçant, après les personnels, le mot visé par mentionné. À l'article 2, après les mots les personnels, remplacer le mot visé par le mot mentionné. Le reste sans changement. Bien, donc sur cet article 2, ainsi amendé, pas d'observation, pas d'opposition. Bien, alors avant que nous passions aux voix, dans les explications de vote, qui va intervenir? Monsieur Vittori? Pas d'autres intervenants? Monsieur Pabouti? D'autres intervenants? Madame Eo? Pas d'autres intervenants? Bien, monsieur Vittori, allez-y. Monsieur le Président, chers collègues, le projet de loi du pays qui nous est soumis aujourd'hui propose donc à notre Assemblée de soumettre les collaborateurs politiques employés par l'ensemble des institutions et collectivités calédoniennes au droit public. De façon à trancher, une fois pour toutes, la question qui se pose à leur sujet du choix d'un statut se situant entre le droit du travail et celui de la fonction publique. La situation actuelle se caractérisant par le fait que les institutions recrutent et gèrent les collaborateurs politiques en vertu du droit public, mais sont contraintes de les licencier sur le fondement du droit du travail du secteur privé donc. Le rapport présenté par Ilaïsan Laouvea en ouverture de cette discussion développe parfaitement la problématique à laquelle les élus de ces institutions et collectivités publiques, employeurs, sont confrontés depuis près de 15 ans, génératrice de contentieux insolubles et financièrement très lourds au moment des ruptures de collaboration. Je ne veux pas revenir sur les points longuement explicités et sur les solutions techniques apportées par cette loi du pays qui met fin désormais au flou juridique existant jusqu'ici, dans le sens pour les parties en présence d'une plus grande sécurité juridique et d'une meilleure adaptation au fonctionnement institutionnel. Permettez-moi simplement d'exprimer la satisfaction de notre groupe sur deux points particuliers. Tout d'abord, nous nous félicitons que ce texte soit, à la différence des projets de loi du pays déposés par l'exécutif dans la quasi-totalité des travaux examinés par notre Assemblée, une proposition de loi du pays, à l'initiative donc des élus du Congrès, grâce à la qualité du travail de rédaction du juriste du Congrès, M. Vijaya Thirou. Et en effet, cette proposition de loi du pays a été déposée par l'ensemble des membres de notre commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur. Signée par tous les élus de cette commission, elle traduit un consensus au sein de tous les groupes politiques. Cette bonne entente mérite d'être soulignée. Sur le fond, nous nous réjouissons également qu'une affaire qui pose problème depuis de trop nombreuses années soit aujourd'hui réglée de façon pérenne et sécure avec l'aval du Conseil d'État. Il nous semble que la situation de flou juridique que nous avons connue si longtemps sur ce dossier illustre hélas parfaitement la confusion qui règne lorsqu'on veut régler une question sur laquelle on n'est pas compétent. C'est exactement ce qui s'est produit en 1996 et 1999, lorsque le Congrès a adopté deux délibérations pour extraire les collaborateurs politiques du champ du droit du travail, alors que cette compétence relevait encore de l'État. Les juridictions ont en permanence considéré, et jusqu'à aujourd'hui, que ces dispositions n'avaient aucune valeur. Depuis le 1er janvier 2000, en vertu de la loi organique de 1999, la Nouvelle-Calédonie est devenue compétente de manière pleine et entière en matière de droit du travail, et nous sommes donc fondés à agir dans ce domaine. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Avenir Ensemble LMD votera cette proposition de loi du pays. Bien, je vous remercie. Alors, Monsieur Pabouti avait demandé la parole. Allez-y. Quel que soit l'engagement politique des élus auxquels ils sont affectés, les collaborateurs politiques ont aujourd'hui des fonctions décisives et reconnues dans la bonne marche des institutions et des collectivités territoriales. Le rôle de ces dernières ont accru les contraintes et les tâches dévolues aux collaborateurs politiques
qui sont, d'une part, des agents non titulaires de droit privé, puisque nous ne nous attachons ici qu'aux collaborateurs ne disposant pas de la qualité de fonctionnaire, et d'autre part, soumis à un statut spécifique. L'application stricte du droit du travail, comme il découle de la décision du tribunal de conflit de 2007, entraîne des conséquences budgétaires importantes pour les différentes collectivités. En excluant les collaborateurs du champ d'application du Code du travail, nous rompons avec une certaine instabilité juridique. Nous confirmons aujourd'hui la volonté première du Congrès de soumettre le collaborateur politique à un statut de droit public. Cependant, l'instabilité reste de mise puisque le collaborateur demeure exposé dans son métier par un contrat de travail précaire, c'est-à-dire des licenciements non motivés, le risque, l'impossibilité de valoriser ses compétences acquises auprès de la fonction publique, l'absence de formation, et aussi à une couverture sociale encore incomplète. Pour ces raisons, rien ne s'oppose à ce qu'une réflexion soit menée autour d'une évolution des dispositions statutaires pour prendre en compte les réalités du marché du travail, les attentes des collaborateurs, tant dans la définition de leur mission que dans celle de leurs droits et devoirs. Il était essentiel préalablement donc de lever l'incertitude juridique qui pesait sur le statut des collaborateurs. Donc je confirme bien que le groupe votera cette disposition. Merci. Bien, je vous remercie. Madame Nadia Ayo avait demandé la parole, allez-y. Merci, Président. Donc, l'objet de la proposition de loi du pays qui nous est présentée aujourd'hui vise à exclure du droit du travail les personnes relevant du statut du droit public introduite par l'ordonnance du 13 novembre 1985. Les collaborateurs politiques des élus ou groupes d'élus de nos collectivités territoriales font partie de cette catégorie. Les personnes que nous recrutons dans nos cabinets sont généralement issues du secteur privé, donc non fonctionnaires pour lesquels le droit applicable a fait l'objet de nombreuses discussions et entraîné des conflits. Jusqu'en 1999, l'État étant seul compétent pour dire quelle catégorie de personnel devait être exclue du droit du travail, les délibérations que nous avons adoptées en 1996 et 1999 ont ouvert la voie à de nombreux conflits et plusieurs interprétations, aussi bien de la part du tribunal du travail que du tribunal administratif, sur les droits applicables à nos collaborateurs. Nous nous sommes rendus compte dans le temps que les règles applicables à la fonction publique et celles applicables au droit du travail ne paraissent pas adéquates aux collaborateurs politiques, vu la relation de confiance que nous entretenons avec eux. L'exclusion du champ de travail de nos collaborateurs est devenue seulement possible depuis janvier 2000, date à laquelle la Nouvelle-Calédonie est devenue compétente en la matière. Le groupe UNI appuiera cette proposition de loi de pays déposée par les membres de la commission spéciale chargée de la refonte du règlement intérieur de la Nouvelle-Calédonie afin de trouver une solution pour une grande sécurité juridique de nos collaborateurs. C'est pour cette raison qu'on votera ce texte et pour qu'on réfléchisse ensemble pour améliorer le statut de nos collaborateurs politiques. Bien, je vous remercie. Nous en avons donc terminé les interventions. Donc, je vais mettre cette loi aux voix. Donc, ceux qui sont pour. Bien, eh bien, la loi a été votée à l'unanimité. C'est une très bonne chose. Et je remercie M. Vijayathiru qui a vraiment été le moteur dans cette opération. Bien, alors, je vous propose de passer au point 3 de l'ordre du jour. Le projet de résolution relative au transfert de l'État à la Nouvelle-Calédonie du Centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie. Je vais vous demander de prendre le rapport 24 du 16 juin 2010 de la commission de l'enseignement en page 6.
Et je vais demander à M. Sam Léonard de nous faire la lecture, puisqu'il en est le rapporteur. Merci, M. le Président. Alors, en propos liminaire, le président du gouvernement relève les points importants du dossier. Il indique qu'il ne s'agit pas d'un transfert de compétences, mais du transfert à la Nouvelle-Calédonie d'un établissement public de l'État. À la date du transfert au 1er janvier 2011 du Centre de documentation pédagogique, CDP, n'est qu'indicative, dans la mesure où c'est un décret en Conseil d'État qui organisera le transfert et en précisera la date. Il ajoute que ce n'est pas une loi du pays qui demande le transfert, mais une résolution, acte de nature différente sur le plan juridique, qui n'est pas soumise à un contrôle a priori, puisque la consultation du Conseil d'État n'est pas prévue dans la loi organique. L'adoption de cette résolution requiert la majorité simple des membres qui composent le Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Il rappelle que le Centre de documentation pédagogique, établissement public de l'État, a succédé au Centre territorial de documentation pédagogique, établissement public local, et qu'il est proposé que cette structure redevienne un établissement public calédonien. Ce transfert du CDP, comme tout transfert de même type, vise à une meilleure implication des autorités locales en matière de gestion et à une adéquation des politiques publiques en termes d'édition et de diffusion. Il observe que le transfert de cet établissement est le premier des transferts de ce type engagés sous l'actuelle mandature. Il restera les transferts de l'Agence de développement de la culture kanak, la DCK, et de l'Agence de développement rural et d'aménagement foncier, la DRAF, prévus respectivement au 1er janvier 2012 et au 1er janvier 2014. Ce dernier transfert nécessite un travail préalable sur la redéfinition des missions de cet établissement. Il ajoute qu'une première réunion de ce groupe de travail s'est tenue récemment avec les représentants de l'État. Dans la discussion générale, en réponse à Mme Falilavaki, qui interroge le gouvernement sur la prise en charge financière en termes de loyer des locaux du CDP, après le transfert, le président du gouvernement rappelle les dispositions de la loi organique concernant les compensations financières en matière de transfert de compétences. L'ensemble des dépenses effectuées préalablement au transfert font l'objet d'une compensation financière globale. Il existe plusieurs avantages. Le premier est d'ordre financier. La dotation annuelle de 107 300 000 francs est une dotation particulière pour les projets d'action éducative de 596 000 francs. Le second est une dotation de 400 heures qui était mise annuellement à disposition du vice-rectorat et l'allocation à titre gratuit de locaux du vice-rectorat. S'agissant des locaux, après le transfert, soit ils restent gratuits et ils n'induisent aucune compensation financière, soit ils sont payants et une compensation financière accompagnera le transfert. Le transfert ne peut pas se traduire pour la Nouvelle-Calédonie par une moins-value en termes de dotation de la part de l'État. Sur ce point, la présidente de la Commission fait remarquer que le rapport de présentation de l'exécutif indique que le centre continuera de bénéficier des mêmes conditions d'hébergement, ses bâtiments ayant vocation à être cédés à la Nouvelle-Calédonie lors du transfert de l'enseignement du second degré. Il est confirmé à M. Pabouti que c'est bien uniquement le transfert de la DRAF qui pourrait avoir lieu au 1er janvier 2014. Cette précision apportée conduit à rectifier une erreur matérielle du rapport de présentation. Troisième alinéa de la première page. S'agissant des adhésions collectives à la médiathèque du CDP qui ont diminué sur la période allant de 2008 à 2009, il est indiqué à M. Pabouti que cette régression résulte du fait qu'il était question que la somme demandée aux écoles soit prise en charge par une collectivité. Or, cette question n'a pas pu être réglée dans les délais souhaités par l'établissement public qui n'a donc pas relancé les écoles pour avoir leurs cotisations. Cette explication a été transmise au gouvernement après que le présent rapport de l'exécutif ait été rédigé. En fait, le paradoxe n'existe pas. Les écoles continuent d'utiliser le centre de documentation pédagogique, mais une baisse des adhésions a été constatée en raison du point soulevé sur le délai de réponse entre une prise en charge par la collectivité ou une prise en charge individuelle par les écoles. M. Pabouti indique que la convention prévoit
que le CDPNC ne peut procéder à des offres promotionnelles relatives aux produits du réseau Sirène sans l'accord express de celui-ci et interroge le gouvernement sur la réciprocité de cette mesure. Il est confirmé que l'échange se fait dans les deux sens. De plus, le secrétaire général du gouvernement indique que le présent avant-projet de convention non validé par le conseil d'administration du Centre national de documentation pédagogique a été joint au rapport de l'exécutif à titre d'information. La convention, une fois finalisée, sera signée par le CNDP et par le CDPNC en présence de l'État et du président du gouvernement. Le président du gouvernement souligne que ce transfert, comme les autres, se situe dans le cadre de l'émancipation de la Nouvelle-Calédonie et, en même temps, dans la nécessité de maintenir ses compétences à un certain niveau en conservant un lien suffisant avec les centres régionaux de documentation pédagogique pour que celle-ci puisse être exercée d'une manière actualisée et efficace. Monsieur Sam, et non Monsieur Léonard, Monsieur le Président, rappelle qu'avant la création du Centre territorial de documentation pédagogique, CTDP, il existait le Centre territorial de recherche et de documentation pédagogique, CTRDP. Ensuite, le CDP a succédé au CTDP et le transfert du CDP à la Nouvelle-Calédonie sera l'occasion de redéfinir les missions de cet établissement qui pourrait réintégrer en son sein une cellule recherche. Il rappelle la création par le CTRDP de l'époque des bureaux des langues vernaculaires et de la recherche pédagogique. Il souhaite que cet outil ne soit pas uniquement un lieu de rediffusion ou de redistribution de documents métropolitains, mais également un lieu de recherche. Le secrétaire général du gouvernement rappelle que l'objet du présent projet est le transfert à la Nouvelle-Calédonie du CDP à périmètre constant et à mission constante. Dès lors que le transfert sera effectif, la Nouvelle-Calédonie aura toute latitude pour faire évoluer cet établissement. La commission procède ensuite à l'examen du projet de résolution. Bien, Monsieur Sam, je vous remercie. Bien, dans la discussion générale, qui va intervenir? Pas d'intervention dans la discussion générale, donc nous allons prendre le projet de résolution. À l'article 1er, s'il vous plaît. Alors, sur suggestion de M. Sam, la commission propose d'apporter une précision rédactionnelle en ajoutant in fine de l'article le sigle CDPNC. Avis favorable. CDP-NC. Voilà, avis favorable. Sur cet article 1er, était des observations? Article 2, sans observation de la commission avec avis favorable. Article 3. S'agissant du calendrier des travaux des différentes conventions de transfert et notamment celle du CDP, le président du gouvernement indique à Mme Hollen que l'objectif est de négocier les différentes conventions dans les tout prochains mois afin que notamment le décret sur le CDP puisse être effectif au 1er janvier 2011. Par ailleurs, il est proposé de rectifier une erreur matérielle en lisant à la dernière ligne de cet article au premier et deuxième alinéa au lieu de au premier et deuxième alinéa, donc au pluriel, donc au singulier, au lieu d'être au singulier. Voilà, avis favorable. L'avis favorable. Sur cet article 3, est-il des observations, des interventions? L'article 4, s'il vous plaît. Alors, Madame Fallet-Lavaki, au nom du Rassemblement UMP, indique que son groupe a toujours considéré que le transfert d'une compétence ou d'un nouvel établissement de l'État à la Nouvelle-Calédonie devait se faire dans les meilleures conditions afin qu'il apporte un plus à la collectivité et aux administrés. Dans ce cadre, le Rassemblement UMP considère que le Centre de documentation pédagogique est un outil formidable au service de la diffusion pédagogique et que son transfert de l'État à la Nouvelle-Calédonie peut constituer un réel atout pour le système éducatif calédonien. Avec ces réserves, le Rassemblement UMP émet un avis favorable au présent projet de résolution. Donc ça, c'était donc une déclaration, mais au niveau de l'article, il n'y avait pas d'observation de la commission. Pas d'observation de la commission sur cet article 4. Vous avez des interventions, des oppositions. Il y a donc un avis favorable à l'unanimité de la commission sur le présent projet de résolution. Bien avant que je mette au voie le projet de résolution, dans le cadre des explications de vote, qui veut prendre la parole ?
Madame Olen, ensuite. Madame Yekawe, ensuite. Monsieur Naturel. Monsieur Pabouti. Ensuite. Plus personne. C'est sûr. Oui. Bon, vous avez la parole, Madame Olen, allez-y. Je vous remercie, Monsieur le Président. En décembre 2009, tous les élus furent unanimes et votèrent le transfert de l'enseignement secondaire pour qu'ensemble, nous agissions pour une école calédonienne performante, innovante et porteuse de valeurs républicaines et océaniennes. En ce mois de juillet 2010, nous devons entériner le transfert du Centre de documentation pédagogique, une démarche qui s'inscrit dans le droit fil de cette volonté de bâtir un véritable projet éducatif ambitieux. Cet établissement, outil important pour la connaissance, le développement de la ressource documentaire éducative, pour l'adaptation des programmes, a été calédonien jusqu'en 1996. Qu'il revienne aux mains de la Nouvelle-Calédonie aujourd'hui est dans la logique des choses. Tisseur de liens entre les institutions et les organismes agissant au service de l'éducation dans ce pays, le centre devra maintenir, voire développer, la dynamique de recherche et de mutualisation des compétences pour pouvoir apporter une réponse aux besoins les plus spécifiques, et notamment par la production d'outils d'accompagnement de nos programmes ou des programmes adaptés pour le secondaire, comme ce fut le cas pour les différents manuels d'histoire et de géographie pour tout niveau, d'ouvrages en sciences et vie de la Terre ou encore en langue kanak et océanienne. Il sera également indispensable pour que le CDPNC poursuive et entretienne les liens avec le réseau national pour que notre école puisse bénéficier de toutes les innovations pédagogiques et didactiques. Lien à conserver également, se tisser avec les pays de la région qui ont donné une aura particulière à la Calédonie dans cette zone pacifique via ce centre et ses ressources, en éditant par exemple il y a quelques années une méthode de lecture pour le Vanuatu. Le CDP est le premier établissement de ce type à être transféré et deviendra demain le CDPNC. Nous voterons bien sûr favorablement pour que cet établissement, dans le cœur des missions et la recherche, la transmission, la diffusion des savoirs et des connaissances, serve encore plus efficacement l'école calédonienne dans toute sa spécificité. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Alors ensuite, Madame Hélène Yekawe, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président. Donc, mesdames, messieurs, la Nouvelle-Calédonie est engagée par l'accord de Nouméa dans un processus d'émancipation qui se caractérise notamment par un transfert progressif et irréversible de compétences de l'État à la Nouvelle-Calédonie. Je le redis, notre mouvement Calédonie Ensemble est très attaché à ce que toutes les compétences qui doivent être transférées au cours de cette mandature le soient. La même logique nous anime en ce qui concerne les établissements publics de l'État qui ont vocation, en application de l'article 23 de la loi organique, à être transférés à la Nouvelle-Calédonie. Le transfert du CDP est le premier d'une série de transferts qui se poursuivra le 1er janvier 2012 avec le transfert de la DCK et le 1er janvier 2014 avec le transfert de la DRAF. Il s'inscrit dans le cadre du transfert de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé qui interviendra le 1er janvier 2012, après que vous l'ayez décidé à l'unanimité le 30 novembre 2009. Il précède également le transfert de la sécurité civile et du droit civil, des règles concernant l'état civil et du droit commercial, qui devra être décidé avant le 31 décembre 2011. Surtout, il repose sur le maintien d'un lien fort conventionnel avec le réseau national des documentations pédagogiques, ce qui démontre que l'objectif de ces transferts et bien d'améliorer la qualité du service public rendu aux Calédoniens. Car réussir le transfert des compétences, c'est réussir l'accord de Nouméa. Pour l'ensemble de ces raisons, le groupe Calédonie Ensemble votera ce projet de résolution. Je vous remercie. Bien, je vous remercie. Alors, M. Naturel. Merci, M. le Président. M. le Président, mes chers collègues, le Rassemblement UMP a toujours considéré que le transfert d'une nouvelle compétence ou d'un nouvel établissement de l'État à la Nouvelle-Calédonie doit se faire dans les meilleures conditions afin qu'il apporte un plus à la collectivité et aux administrés. Dans ce cadre, le Rassemblement UMP considère que le Centre de documentation pédagogique est un outil formidable au service de la diffusion pédagogique et que son transfert de l'État à la Nouvelle-Calédonie peut constituer un réel atout pour le système éducatif calédonien. Cependant, le Rassemblement UMP estime qu'il est nécessaire d'être extrêmement vigilant sur deux points précis. Premièrement, au niveau de la compensation prévue, à la différence d'autres compétences transférées, il apparaît qu'il ne sera pas procédé à une évaluation des charges classiques.
mais que l'État transférera à la Nouvelle-Calédonie la dotation financière globale annuelle actuellement versée au CDP. Or, il importe, comme nous l'avions signalé en commission, que la compensation versée à la Nouvelle-Calédonie inclut également les financements que touche le CDP en dehors de cette dotation globale, c'est-à-dire certaines dépenses prises en charge directement sur le budget du Centre national de documentation pédagogique ou du vice-rectorat. Il en est de même pour l'hébergement actuel à l'immeuble FISE. Le rassemblement UMP considère que ces sommes doivent également figurer dans la compensation prévue. Monsieur le Président, mes chers collègues, avec ces réserves, le rassemblement UMP émet un avis favorable au projet de transfert du Centre de documentation pédagogique de l'État à la Nouvelle-Calédonie. C'est naturel, je vous remercie. Donc, Monsieur Pabouti, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Notre groupe ne peut qu'adopter une mesure prévue par l'accord de Nouméa, notamment si cela est lié au transfert. Au vu de ce qui a été dit depuis et encore aujourd'hui, je crois qu'il n'est pas trop nécessaire de donner beaucoup d'explications. D'autant plus qu'il y a une unanimité, comme pour les deux autres textes précédents que nous venons d'adopter. Notre groupe salue le travail effectué effectivement par le gouvernement qui parachève celui déjà commencé par les gouvernements précédents. Par ailleurs, notre groupe prend acte des propositions du gouvernement de calendrier de transfert concernant les autres établissements publics, celui de la DCK au 1er janvier 2012 et celui de la DRAF au 1er janvier 2014. Merci, Monsieur le Président. Bien, je vous remercie. Donc, nous en avons terminé des interventions. Donc, nous allons passer aux voix. Donc, ceux qui sont pour. Bien, donc, le projet de résolution est adopté à l'unanimité. Bien, je vous propose donc le dernier point dans l'ordre du jour. Le projet de délibération approuvant le programme du contrôle médical du régime unifié d'assurance maladie maternité et de l'aide médicale pour l'année 2010. Alors, nous allons prendre le rapport 17 du 17 mai de la commission en page 4. Et je vais demander à Madame le rapporteur de nous faire la lecture, le rapporteur de la commission, la santé, Madame Nadia Eo. Pardon. C'est Monsieur Lallier, le président. J'aurais dû vous citer, pardonnez-moi. Monsieur Lallier, à qui vous donnez la parole? À vous-même? Très bien. Eo. Et par respect, je vais le lire à sa place, parce que c'était elle la présidente. Faites comme vous voulez, mais allez-y. Hein. Allez. Si vous me laissez parler, je vais bientôt le faire. Allez. Dans la discussion générale, M. Régent rappelle que dans un rapport précédent, il avait été indiqué que le nombre de personnes en longue maladie sur le territoire est de l'ordre de 31 000, voire 32 000, ce qui interpelle dans la mesure où la moitié de la population calédonienne a moins de 25 ans. Je souhaite donc obtenir des précisions sur ces chiffres et sur ce qui est constaté en métropole pour avoir une comparaison. Monsieur Wamba excuse l'absence du docteur Bédon, médecin-chef du contrôle médical, qui a principalement élaboré ce programme du contrôle médical. Et en réponse à Monsieur Région, Monsieur Wamba souligne que 32 longues maladies sont listées et cette liste correspond à ce qui existe en métropole, à savoir le dispositif des affections de longue durée, ALD. Lorsqu'une maladie est constatée chez un patient, le médecin référent demande une prise en charge auprès du contrôle médical qui accepte ou non de reconnaître cette longue maladie en fonction d'un certain nombre de critères qui doivent être remplis pour chacune des maladies. Dès lors qu'un patient est reconnu atteint d'une longue maladie, il bénéficie d'une prise en charge à 100% en tiers payant par la CAFAT. Monsieur Wamba fait observer que ces affections concernent le plus souvent le diabète, l'hypertension, les insuffisances respiratoires, les maladies cardiovasculaires, les cancers et le rhumatisme articulaire aigu. En complément, le docteur Martin indique que le diabète et l'hypertension couvrent les deux tiers de la longue maladie, liés notamment aux surcharges pondérales, au manque d'activité ou encore à une mauvaise hygiène alimentaire. Ensuite, il y a les cancers et toutes les complications de maladies cardiovasculaires qui nécessitent le recours
à une chirurgie qui n'est pas disponible sur le territoire, ce qui représente un coût en termes d'évacuation sanitaire sur de longues périodes d'hospitalisation. M. Dunoyer, membre du gouvernement chargé du secteur, observe que le rapport d'activité de la CAFAT pour l'année 2008 est assez précis sur cet aspect. Il suggère donc de communiquer au conseiller un dossier d'information récapitulant le contenu du dit rapport avec un focus sur la longue maladie, population touchée par les classes d'âge. M. Wamba confirme à Mme Heo que les 32 longues maladies sont des pathologies à vie et les avis donnés par le contrôle médical sont très souvent définitifs. Il précise également que les dépenses de santé relatives à la longue maladie sont de 24 milliards en 2009. Pour Mme Leck, c'est en citant Mme Leck que c'est arrivé. Pour Mme Leck, une prise en charge précoce à 100% de ces maladies peut contribuer à la réduction de ses dépenses de santé. Le docteur Martin partage ses propos en indiquant qu'il faut également mettre l'accent sur la prévention en insistant sur le rôle important du médecin qui doit s'atteler à dépister les premiers signes de complications qui peuvent survenir puisqu'il s'agit des maladies qui progressivement entraînent des complications à long terme. Monsieur Dunoyer est favorable d'accorder davantage de moyens à l'agence sanitaire et sociale pour développer des campagnes de prévention massive, notamment dans le cadre de la lutte contre le diabète. Il souligne une évolution de 11% de patients calédoniens souffrant de diabète entre 2007 et 2008. Cette tendance ne risque pas de s'atténuer au regard du constat inquiétant sur les populations scolaires. Pour le membre du gouvernement en charge du secteur, il faut identifier la lutte contre le diabète comme un axe prioritaire en termes de prévention sanitaire en Nouvelle-Calédonie. S'agissant de la campagne de prévention, Mme Falé-Lavaki propose de mettre en place des spots télévisés en associant des sportifs de haut niveau tels que Christian Carmbe. M. Dunoyer indique qu'en termes de prévention, la communication est un axe essentiel et l'agence sanitaire et sociale travaille sur cet aspect puisque l'a développé un personnage appelé Bob. Un dessin fictif décliné dans certaines situations sert à la prévention contre la malnutrition et le risque du diabète. Ce dispositif a été prévu pour les enfants dans le cadre scolaire. Il serait intéressant, selon lui, d'étendre ces dispositions à l'ensemble de la population, notamment aux parents. Il insiste sur le travail important que doit engager l'agence sanitaire et sociale sur le développement d'un véritable plan de communication et de prévention adaptée à la population calédonienne qui est pluriculturelle. Monsieur Lallier constate de nouveau que ce projet de texte n'est pas transmis dans les délais prévus par les dispositions réglementaires. D'autre part, il met en avant le fait que dans ce programme, il n'y a aucune politique réelle sur la diététique. Sur le premier point, Monsieur Dunoyer précise que les dates de transmission et d'adoption du programme de contrôle médical mentionné dans le présent rapport sont difficiles à respecter compte tenu du travail important que doit engager la CAFAT dans l'élaboration du programme, suivi d'une validation par la DAS de Nouvelle-Calédonie avant la transmission au gouvernement. Sur ce point, il indique qu'une réflexion devra être engagée avec les services de la CAFAT afin de modifier les délais pour plus de cohérence. Monsieur le directeur de la CAFAT signale que les services de la CAFAT ont mené une réflexion. Cette réflexion, une proposition d'aménagement doit être soumise au conseil d'administration. Précise également au conseiller que le programme 2010 est déjà mis en œuvre avant votre vote. Parmi les actions prévues, notamment sur les médicaments, il cite le recrutement d'un pharmacien conseil qui prendra ses fonctions le mois prochain au sein du contrôle médical de la CAFAT. Ce recrutement s'inscrit dans le cadre de la maîtrise des dépenses médicamenteuses et permettra une action plus efficace auprès des prescripteurs afin de les rendre acteurs de la maîtrise des dépenses de santé. Sur le second point évoqué par moi-même, M. Dunoyer partage la nécessité de mener une réflexion avec les diététiciens en complément au programme de prévention et de lutte contre le diabète. Ce relais est insuffisant exploité en Nouvelle-Calédonie parce que les habitudes alimentaires sont multiples, liées à la richesse pluriethnique ou pluriculturelle. Ces habitudes alimentaires très diverses conduisent une classe d'âge 8 à 16 ans pour certaines communautés, notamment océaniennes, à être identifiée
avec un risque fort de surcharge pondérale. Monsieur Lallier rapporte qu'à l'occasion d'une mission en Australie, les élus ont pu visiter le Ronald McDonald House Westmead, un centre pour les enfants, totalement pris en charge par une société multinationale dont on ne citera pas le nom. Il indique qu'il serait judicieux de développer ce type de partenariat en Nouvelle-Calédonie, dans le cas de mécénat notamment. Madame Leck souligne que la province Nord dispose de 3 diététiciens dans les écoles et elle invite les 2 autres collectivités provinciales à aller dans ce sens. Madame Heo confirme qu'il s'agit de mesures préventives au regard des problèmes d'obésité infantile constatés en province Nord et notamment dans l'extrême Nord. Elle est donc favorable à une harmonisation des actions et à une mutualisation des moyens entre les provinces. En réponse à Madame Heo, qui souhaite intégrer dans le programme un axe prioritaire dédié uniquement à la prévention, Monsieur Dunoyer fait observer que cette proposition ne serait pas cohérente avec la décision prise récemment par le Congrès d'affecter la totalité de la taxe sur les alcools et le tabac à l'agence sanitaire et sociale dans la mesure où le tiers affecté auparavant à la CAFAT était réservé aux campagnes de prévention. S'agissant des hospitalisations du secteur privé, M. Dunoyer appelle l'attention des conseillers qu'il a sur la correspondance NGAP et CCAM, autrement dit le passage de la nomenclature actuelle des actes médicaux vers la future nomenclature. Il s'agit d'un sujet fondamental évoqué lors du précédent conseil d'administration de la CAFAT qui représentera un travail important et coûteux pour la Caisse avec des répercussions probables en termes de coûts et de dépenses de santé. Il suggère que les élus du Congrès soient informés de cette démarche initiée par la CAFAT afin qu'elle puisse s'appuyer sur une décision officielle du Congrès pour poursuivre ces travaux qui peuvent durer 2 à 3 ans. Monsieur Lallier est favorable à la proposition de Monsieur Dunoyer d'informer en amont les élus du Congrès sur cette démarche. D'autre part, il interroge le membre du gouvernement et les services d'ACAFAT sur le dispositif des VASAN en métropole, sachant qu'un travail avait été engagé avec l'association des médecins pour tenter d'établir un cadre d'évacuation sanitaire sur la métropole en privilégiant la région parisienne notamment. Monsieur Womba confirme que les évacués sanitaires sur la métropole ne bénéficient pas des mêmes services d'accompagnement qu'à Sydney, par exemple. Les médecins prescripteurs des évasins orientent leurs malades vers les CHU avec lesquels ils entretiennent des relations privilégiées. En conséquence, un certain nombre de malades calédoniens peuvent être effectivement dispersés en métropole, ce qui n'est pas une situation très satisfaisante. Il indique que l'objectif serait d'avoir des conventions ou des relations étroites avec certains centres hospitaliers métropolitains concentrés sur la région parisienne pour bénéficier de services de la maison de la Nouvelle-Calédonie. Le docteur Martin ajoute que les choix de la métropole peuvent se justifier par un rapprochement familial, mais pour les personnes qui n'ont aucune famille en métropole, l'idéal serait de les orienter vers la région parisienne et de les privilégier certains hôpitaux pour permettre une action plus efficace. S'agissant des évasants en métropole, Mme Heo insiste sur la nécessité de mener une politique globale de manière à répondre aux besoins des malades calédoniens en évoquant la situation des patients de la province Nord qui se trouvaient sans hébergement et qui a nécessité l'intervention de la province pour apporter une aide exceptionnelle à la personne. Cela lui fait observer que l'aide médicale relève aujourd'hui de la compétence des provinces et la solidarité et de la compétence de la Nouvelle-Calédonie. Or, il considère que l'aide médicale est une démarche de solidarité. Il s'interroge donc sur la possibilité de transférer la prise en charge de l'aide médicale à la Nouvelle-Calédonie, qui est bien sûr compétente en matière fiscale, au titre de la solidarité afin de prendre des mesures globales. Sur ce point, M. Dunoyer indique que les constructions, notamment du Médipôle de Couture et de l'hôpital de Koné, vont générer des dépenses de fonctionnement beaucoup plus élevées que celles qui existent aujourd'hui. C'est la raison pour laquelle le gouvernement devra initier une étude sur la structure des dépenses globales de santé, sur son évolution potentielle dans les 10 voire 15 prochaines années. Le point soulevé par M. Lallier pourra être évoqué dans le cadre des financements de ces dépenses de santé et de dotation globale de fonctionnement des hôpitaux qui transitent par le RUAM et qui représentent une enveloppe à laquelle participent avec une clé de répartition les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie et la CAFAT.
Au terme de ces précisions, la commission procède à l'examen du projet de délibération. Bien, je vous remercie de cette bonne lecture. Alors, nous allons passer à la discussion générale. Qui va intervenir? Oui. Pas d'intervention. Nous allons donc prendre lecture de la délibération. Article 1er et 2, sans observation de la commission, un avis favorable. Monsieur le Président de la commission, vous voulez intervenir? Vous avez la parole. Non, je voulais juste repréciser mon intervention là, sur l'examen des possibilités de transfert ou de reprise en main par la Nouvelle-Calédonie de tout ce qui est acte de solidarité comme aide médicale. C'est vrai qu'au fur et à mesure, et on a vu des cris d'alarme qui sont lancés par notamment par la province sud par rapport à l'augmentation de ces dépenses. Aujourd'hui, on recherche absolument à avoir à modifier les clés de répartition. Mais peut-être qu'un certain nombre de dispositifs en interne au niveau de la Nouvelle-Calédonie seraient à examiner, notamment quitte à ce qu'il y ait un retransfert un transfert de compétences, mais avec les moyens. Aujourd'hui, les provinces, ils assument les dépenses sans avoir les moyens politiques de mettre en place les recettes en face. Et c'est un peu la raison, une des motivations de mon intervention pour demander au gouvernement qu'il serait intéressant de puisse examiner, peut-être pas pour l'année prochaine, mais peut-être pour dans un an. Mais en tout cas, la situation de la province sud, parce qu'on a vu qu'il y a eu une assemblée particulière sur compte à l'initiative des années passées, démontre bien qu'il faut peut-être considérer cette situation au niveau des compétences. C'est une idée. Bien, je vous remercie. Monsieur le Président du gouvernement. Oui, Monsieur le Président. Donc j'ai entendu les propositions qui ont été faites par Monsieur Lallier. J'indique que tout simplement que dans la déclaration de politique générale, il était précisé que la clé de répartition était certes figée dans le marbre, mais que un certain nombre de charges nouvelles ont incombé au cours des 20 dernières années à la province sud du fait notamment des flux de population, et que donc il convenait de prendre les mesures nécessaires pour que cette collectivité dispose des moyens suffisants pour accomplir l'ensemble des missions qui sont les siennes. Et que le gouvernement ferait en ce sens un certain nombre de propositions. Vous évoquez une piste, il y a d'autres pistes qui sont travaillées aussi. Et j'espère que dans les prochains mois, on pourra discuter devant le Congrès d'un certain nombre de mesures destinées à prendre en compte la situation particulière de la province sud, comme on l'a fait en ce qui concerne les communes de l'agglomération en instaurant récemment la taxe communale d'aménagement. Bien, je vous remercie. Bien, je vais mettre aux voix la délibération. Donc, ceux qui sont pour. Bien, c'est de nouveau l'unanimité. Donc, nous en avons terminé de l'ordre du jour initial, où je constate que les deux lois de pays pour le projet de résolution et le projet de délibération ont été votées à l'unanimité. C'était donc une bonne après-midi. Alors, nous avons maintenant quelques désignations à faire. Le gouvernement souhaite donc nommer des rapporteurs de pays sur deux textes. D'abord, la modification du régime des prestations familiales et de solidarité, du régime des prestations familiales des travailleurs salariés et du régime des prestations familiales des fonctionnaires. Donc, un rapporteur. Y a-t-il des candidats? Monsieur Michel. Oui, Monsieur le Président. Oui, pardon. Allez-y. Oui, Monsieur le Président, nous proposons la candidature de Madame Leck. Madame Evelyne Leck est candidate. D'autres candidats? Y a-t-il d'autres candidats? Pas d'autres candidats. Je mets aux voix. Madame Leck est élue. Alors ensuite, relative au Conseil du dialogue social, CDS, y a-t-il des candidats? Monsieur Michel. Proposons la candidature de Monsieur Michel Lannier, Monsieur le Président. Monsieur Michel Lannier est candidat. Y a-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures. Pardon? Monsieur Rigueil a levé la main. Monsieur Rigueil.
Monsieur le vice-président me dit que vous avez levé la main. Ah d'accord, c'était entre vous, au sein de votre groupe. Bien, alors donc, il n'y a pas d'autres candidats. Bien, monsieur Lanier est donc désigné rapporteur pour le Conseil du dialogue social. Nous avons ensuite donc deux autres désignations à faire à la demande du haut-commissaire. Alors, deux membres du Congrès pour siéger au sein de la commission de transition vers le numérique de Nouvelle-Calédonie. Bien, alors, les candidatures. Qui est candidat? Madame Hollande. Nous proposons la candidature de Pascal Vittori, monsieur le président. Monsieur Vittori est candidat. Ensuite, il en faut deux. Hein. Ensuite, madame Machaud, vous avez la parole. Oui, nous proposons la candidature de Daniel Goa. Daniel Goa est candidat. Y a-t-il d'autres candidatures? Pas d'autres candidatures? Bien, donc monsieur Vittori et monsieur Goa sont donc désignés pour siéger au sein de la commission de transition vers le numérique de Nouvelle-Calédonie. Bien, monsieur Vial, nous en avons terminé de l'ordre du jour. Je vous rappelle que nous avons notre prochaine séance le 18 août, et je vous rappelle que nous avons toute une série de commissions. Pardon, monsieur Déroutine va prendre la parole. Allez-y. Monsieur le Président, je pense que le Congrès a certainement beaucoup de points à examiner, mais je vous rappelle que c'est une semaine impaire. Oui. Alors, monsieur Déroutine, les deux dates, le 18 et le 20, résultent de la décision de la conférence des présidents, où vous savez, siège l'ensemble des présidents de groupe, ainsi que les présidents de commission et le bureau. Et compte tenu des urgences, il a été décidé de retenir ces deux dates en précisant que, effectivement, lorsque le congrès est en session, il est prioritaire. Alors moi, j'essaye toujours, effectivement, de respecter cette règle, hein, mais ça faisait un peu trop tard pour un certain nombre de textes. Monsieur le secrétaire général, c'est bien ça? Oui, je confirme. Donc, à l'avenir, on essaiera d'éviter de faire des séances pendant la mauvaise semaine. Alors, on avait vérifié, M. Néotine, que dans le calendrier des provinces, il n'y avait pas de réunion prévue. Hein. Ben, c'est pour ça qu'on avait arrêté ces deux dates. M. Néotine, allez-y. Il n'y a pas que les institutions, il y a les établissements et autres organismes dans lesquels nous séjournons. C'est vrai. C'est vrai. Bien. Bien, eh bien, la séance est levée et je vous remercie. Comment? Tu as lu le petit encadré? Sur quoi? Sur la protection de la plaine locale. Ils disent qu'en fait, finalement, c'est le principe du corps électoral fugitif qui joue ici maintenant pour la protection de la plaine locale. Ce qui n'est pas vrai. Hein. Donc, sans, dans journal, dans les nouvelles. Sans donner l'impression de répondre à quoi que ce soit, tu dis tout simplement que tu es très heureuse aujourd'hui, l'ensemble de la représentation politique de la Nouvelle-Calédonie, et qu'ensuite.